Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 10 finale de Duke Nukem Time to Kill. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer d'effectuer la suite que les jeux commencent dans le colisée des cochons, des envahisseurs, et que nous avons effectué avec réussite. Nous allons continuer dans la partie suivante de Bain de sang parce qu'en fait, dans la première partie, j'étais bloqué. Je suis mort et j'ai pris du n'importe quoi, des roquettes plein dans le visage. Je vais pas dire de grossier. Pour continuer la suite, je vais reprendre depuis le début. C'est C'est un bel parti. endroit pour mourir. On reprend. On remet ça. Une seconde. Tiens. Fais ta prière. Juste un instant. Boom. Ça va chauffer. Brûle. Brûlez. Pour un gros lard. Éliminé. Avance. Et là, c'était pas mal. Pistolet place, pistolet gamma. Oula! Chaud. Aouh! Dommage, j'ai pas réagi trop vite. Trop tard, on recommence. Ça.
Non! J'aurais dû quitter vite le niveau. J'avais encore le temps. Attends, c'est Woodstock? Voilà. Encore du déjà vu. Lance-flamme. Plutôt non. Bien cuit pour moi, merci. Je vais tous les fumer. Je déteste voir ces gueules. Pardon pour l'expression. Heureusement que j'étais loin de distance. Espèce de parasite. Juste ce qu'il me faut. À la place de les tuer, je vais continuer d'avancer tout en utilisant le bonus. Oui. Utilisons ça pour être invincible pour un temps limité. Déjà de retour.
Ok, les trois niveaux, c'est bon. On passe au suivant. Non! Non, non, je ne prends pas la lance-roquette. Je suis au max. Je ferais mieux d'avancer. Je ne m'arrête pas. J'ai prévu de finir. Il faut le finir. Je dois en faire. Je suis à fond en munitions. Chaud devant. Tiens. La chasse aux aliens est ouverte. Et voilà, on y est. On est de l'autre côté de cet infernal bain de sang, mais il faut avancer. Pêche d'enfer. Magnifique. Ok. Où déjà? Par ici. Ouh là 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 là, cet endroit est grouillé d'ennemis. Faudra que je garde des munitions pour l'ennemi. Le boss en fait.
Tiens! Bon sang, c'est des cadavres partout. Et du sang partout. Je me doutais bien qu'il y avait un passage par là. Oh! Une trousse de soins, magnifique. C'est justement ce qu'il me faut. Ça peut toujours servir. Eureka! Et voilà, il est temps de faire le ménage avec le boss du dernier, le dernier boss du jeu. Et c'est parti pour le dernier boss. Ok, Moloch, le garde-barrière. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Le dernier ennemi de cet endroit, il faut le vaincre à tout prix. Pour gagner ce jeu. C'est l'heure de se faire botter le train. Ah, zut. Ouah, mec, quel voyage. Waouh, ça a dû faire mal. Faut que je fonce, faut que je fonce. Je ne m'arrête pas, il faut que je récupère des munitions. Je fonce. Je vais récupérer ce qu'il y a ici. Et c'est bon. Excellent. Il y a un lance-roquette ici. Bazooka, pardon. J'avance. Dommage, je recommence. Je suis au dernier niveau et je dois réussir à tous les coups.
On reprend. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Il faut que j'évite les œufs parce que sinon je suis mort. Voilà. Dommage, j'avais pourtant su me mettre à l'abri, mais là, non, c'est pas possible. Bon sang! Non, non, non! Soigner. Oh, I feel good. Attends, c'est Woodstock? Attends. Voilà. Une trousse de soins, magnifique. Ça peut toujours servir. Ça ne fait aucun effet le pistolet place, le pistolet gamma. Allez, il faut que j'y arrive parce que là, je dois finir ce jeu. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ouh, on remet ça. Thank you.
Non! Je vais te refaire le portrait. Bon sang! Hier, je suis mort. Je me dois dégager. Encore. Je recommence. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Quel voyage! Je vais te refaire le portrait. Oh. I feel good. Ça peut toujours servir. Pardon, encore raté. Je pensais que je pouvais réussir, mais non. Faut
Il faut que je réussisse. Il le faut. Fini. Disons-en une. Une bonne fois pour toutes. Je passe. Oh, I feel good. Ça va mieux. Franchement, je suis maladroit. Ça peut toujours servir. Je pensais que je l'ai détruit celui-là. Mais non. Ça peut me servir. Ah ouh, là là là. Punaise, hein, j'ai vraiment été du maladroit.
Il esquive à chaque fois les bombes. Franchement, il est chiant. Faut que je sors de là. Non, mais... De trop nombreuses fois, je meurs et j'ai pas assez de munitions pour pouvoir le vaincre. Non, pas celle-là. On reprend. Je vais couper le micro pour me concentrer. Disons-en une bonne fois pour toutes. Attends, c'est Woodstock? J'ai remarqué des roquettes là-bas. Je vais essayer de casser tous les œufs pour avoir tout ce qu'il y a au milieu de la bataille. Je vais essayer de faire le mieux possible. Je suis déjà à 40 minutes. Il faut que je me dépêche. Si je veux obtenir toutes les trucs sur le terrain, ça me fera l'affaire. Finissons-en une bonne fois pour toutes.
Punaise, hein. J'ai chaud! Moloch, garde de la barrière éliminé! Il me restait plus que 11 points. 11 vies. Ah, enfin j'ai réussi! Ah, il y a eu une coupure de son. Désolé.
Mais autant dire, j'ai réussi mon coup. J'ai enfin fini la partie et que je ne pourrai plus reproduire ces enchaînements de tuer ce boss parce qu'il est le plus dur des trois. Mais bon, une bonne chose de faite. Autant vous dire, je suis vraiment fier d'avoir fini ce jeu, même si je suis mort plusieurs fois. J'ai quand même su vous dire que j'ai fait un effort en essayant le plus possible, mais je suis mort trop de fois, mais bon. Le jeu, c'est le jeu, c'est comme ça, et ma manière de jouer, évidemment. J'espère que ce jeu et cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming, ceux qui ont l'âge. Et n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming continue. C'était Ultimate John Doom pour Duke Nukem Time to Kill.